Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 9 et le 10 novembre. Oh, si je n'ai mal envers, ça ne va pas. Taureau, Vierge, Capricorne, eh bien, c'est parti. On y va, signes de terre pour votre week-end. 9 et 10 novembre. Signe de terre. Alors, vous avez le battleur, ami signe de terre, avec en d'autres paquets la roue de fortune, des changements assez importants pour certains. Il y a pas mal de déblocages, vous débutez un nouveau cycle, les choses s'accélèrent, c'est la chance qui vous sourit. Et donc, avec le battleur, on parle ici d'un début. Hein, il y a un potentiel de début, de nouveauté. Je vous sens vivre un renouveau, et cette carte elle dit surtout que vous avez toutes les ressources nécessaires pour y aller. Vous avez toutes les cartes en main, vous avez tous les outils en main nécessaires pour vous lancer pour ce début. Le battleur, c'est également quelqu'un qui a la tchatche, c'est un bon commercial, c'est quelqu'un qui sait convaincre pour obtenir ce qu'il veut. Le battleur, c'est également quelqu'un de très manuel. Donc voilà, je vous sens utiliser, en tout cas c'est le conseil de cette carte, utiliser votre potentiel. Ensuite, signe de terre pour ce week-end. La roue de fortune, c'est aussi la chance qui revient, ça peut être une rentrée d'argent, quelque chose qui revient à vous. Les signes de terre, allez, pour ce week-end. Alors, regardez-moi ça. La très belle carte de la réussite, du succès pour vous. Les signes de terre pour ce week-end. Ah, le changement. Et puis, on a la maison. Alors, pour certains, on va littéralement, de grands changements au sein de la maison, du foyer, ça peut être des travaux. Au niveau du voisinage, hein, je pense que vous allez prendre des décisions très importantes ici concernant donc la maison, famille, foyer, sécurité. Il y a la réussite, ok. Vous avez les pistes, on vous dit quoi faire, vous avez de bons retours. Et donc ici, clairement, il y a une réorientation. Vous voyez, cette carte-là de la sexualité avec cette pochette du préservatif qui est déchirée, qui n'est pas utilisé, veut juste dire que tout reste à faire, tout reste à construire autour d'une envie, d'un désir. On n'est pas que de l'ordre de l'intime, hein, ok. Donc là, il y a quelque chose, il y a un potentiel, on vous le dit, qui est tout à fait réalisable, tout est possible. Et vous allez vous orienter, vous réorienter, il va y avoir des décisions assez importantes, ok, très importantes à prendre. Il n'y a plus à hésiter. Ici, il y a plusieurs choix possibles, mais j'ai quand même l'impression ici qu'il y a un désir particulier qui va pouvoir se mettre en place, tout simplement. Votre vie va changer, et là j'ai l'impression que ça y est, c'est parti. Avec la réussite à la clé, hein. Et puis il y a cette volonté de réussir aussi, le champ des possibles. Ensuite, allez, des petites cartes messages pour les signes de terre du week-end. Allez, signe de terre du week-end. Alors, les taureaux. Taureaux, envoyez une lettre à l'univers, le monde même. Eh bien, c'est le moment, le champ des possibles, ami taureau, de faire vos demandes à l'univers, de faire vos vœux, de vous visualiser déjà dans ce que vous souhaitez avoir. Et puis, c'est également faire des demandes aux autres. Ça peut être aussi un week-end où il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de nouvelles, des bonnes nouvelles qui vont arriver, que vous allez recevoir, que vous envoyez. Beaucoup de témoignages d'amour et d'affection, hein, que ce soit par les autres, mais voilà, c'est la chance aussi qui vous sourit. Vous avez envoyé une demande, on vous répond, donc je vous le dis, hein, que ce soit par rapport à des personnes ou même par rapport à un vœu, à un souhait, il y a un retour. Les vierges, oh là là, capsule temporelle, je crois en moi. Alors cette carte-là, elle nous fait référence à l'avenir. Il est maintenant temps, ami vierge, de poser des bases pour l'avenir, de faire des souhaits pour l'avenir. Ok, c'est le moment. Cette carte-là, elle dit tout est possible. Un peu comme pour les copains taureaux.
Hein, croyez en vous, croyez en vos envies, croyez en un projet. C'est vraiment un début assez marquant. Et puis, les Capricornes, amis Capricornes, hurlez à la Lune, on entend ma voix à travers le monde. Eh bien, n'hésitez pas à dire les choses, à vous imposer, osez, osez vous confier, osez dire, on vous entend, on vous écoutera ici. Ensuite, les signes de terre du Capricorne. Alors, pour ce week-end, les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pour ce week-end. Projet. Bah, c'est super. Alors. Bon, ici, on va se rendre compte qu'on va un petit peu loin. J'ai l'union, la communication. Ouais. Donc, pour les couples, par exemple, il pourrait y avoir une petite divergence d'opinion. Ou alors, un des deux n'est pas de bonne humeur, vit quelque chose de compliqué, vous voyez, avec le blocage. Et donc, bon, on en parle, on en discute. Il se pourrait, oui, la tristesse, hein, c'est ce que j'allais dire, il se pourrait qu'on soit un peu en de mauvaise humeur, un peu chagrin. Ça va passer vite, hein. Donc ça peut être un problème personnel, ça peut être aussi une divergence d'opinion. Je sens pas de problématique particulière, hein. OK? Donc il ne faut pas avoir peur des mots qui sont écrits sur les cartes. Pour moi, il y a quand même des choses qui se mettent en place, des prises de conscience assez importantes. Et puis, ouais, pas mal de déclics ici, pas mal de déclics. Moi, j'ai quelqu'un qui travaille sur des blocages, qui travaille sur des peurs, des angoisses. Et puis, pour les célibataires, bon, bah, littéralement, hein, quelqu'un avec une rencontre, quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, une différence de taille, une différence d'expérience. Donc, ça peut faire peur, ça peut être aussi le caractère de l'autre, hein. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, moi j'ai quand même de très bonnes cartes, les amis, parce que j'ai quand même l'union, le rapprochement, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, on fait des choses ensemble, on fait les choses à deux ici. Ça peut même être divergence d'opinion par rapport à un projet, une envie, une sortie, hein. Mais voilà, ça c'est vite fait, ça ne durera pas longtemps. Et puis enfin, allez. Signe de terre pour ce week-end. Il y a peut-être aussi des choses qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas exprimer. Peut y avoir des malentendus, mais tout ça rentre dans l'ordre. Les taureaux, taureaux, le moral, hein? Vous retrouvez la pêche, vous retrouvez le moral, on se sent bien. Voilà, et puis bien sûr, on n'est pas bien. Eh ben, l'idée, c'est de faire en sorte de faire des choses pour retrouver la pêche et le moral, et je pense que vous serez bien entourés. Les vierges. Les vierges, moi je vous sens pas envie. Pas envie, peut-être envie de faire des choses un petit peu seules. Voilà, il y a un petit ras-le-bol. Ça va être comme ça tout le week-end. C'est pour ça qu'il faut aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire. Mais je vous sens lasse et envie de faire autre chose. Et les Capricornes, Capricornes, j'ai l'été. Bah, écoutez, oui, hein, proposition, sollicitation, vous plaisez, amis Capricornes. Donc les gens viendront spontanément vers vous. Et même pour les couples. Pour y avoir l'envie de faire quelque chose ensemble. Allez, je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Nous serons le 9 et le 10 novembre. Comme d'habitude, on va voir la partie de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Allez, c'est parti. Signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, pour ce week-end, vous avez 8 de coupe. 8 de coupe qui nous parle d'envie d'autre chose. Voilà, tout simplement. On se sent plus trop à sa place. On a fait le tour. Il y a un besoin de partir, de quitter, de passer à autre chose, de découvrir autre chose. Alors, vous cherchez, vous essayez de comprendre. C'est un peu la carte du développement personnel, de l'introspection. Je vous sens avoir envie d'initier autre chose parce que là, au niveau des émotions, bah, ça ne vous fait plus vibrer. Peut-être que vous ne vous sentez plus à votre place. Donc,
Votre cœur vous pousse ailleurs, ici. Ensuite, et c'est très bien de faire ça parce que vous avez la roue de fortune en d'autres paquets. C'est un changement, hein, un nouveau cycle, un déblocage. Un déblocage assez important, des choses qui reviennent, une nouvelle motivation. Donc, écoutez votre cœur. Les signes d'eau pour ce week-end. Alors, signe d'eau du week-end. Le passé, le travail, les finances. Ouais, écoutez. Là, la réunion. Oh là là, très beau tirage, les amis. Très beau tirage. Eh bien, si vous attendiez des nouvelles, elles arrivent. OK. C'est le moment de reprendre des affaires en cours, reprendre des choses qui étaient en suspens, reprendre des démarches. Au niveau des finances, hein, pareil, il y a une bonne surprise. J'ai un investissement qui paye, hein, votre travail paye, votre investissement paye. Vous en aurez des nouvelles ici. C'est aussi le travail, c'est un travail sur soi, une carte d'introspection, de réflexion, de cheminement. Réfléchir à tout ce qui s'est passé, ce qu'on peut en retirer ici. Hein, c'est une évolution. J'ai l'impression que pour vous, les signes d'eau, vous allez changer votre façon d'être, votre façon de penser, votre façon de faire. Vous allez évoluer avec persévérance, faire un petit bilan. Et effectivement, j'ai l'impression que vous allez en retirer des leçons. Vous allez ne garder que le bon. Hein, les finances, ce n'est pas que financier, d'ordre financier, des choses qui pourraient être très positives pour vous, mais c'est surtout l'enrichissement. OK ? Il y a mieux. J'ai l'impression que là, il y a mieux. Il y a quelque chose qui vous enrichit. Vous allez comprendre que finalement, quelle que soit la situation que vous vivez, OK, moi j'ai l'amour, eh bien, ouais, eh bien, il y a quelque chose de très bon à en retirer. Alors, j'ai les nouvelles, échange, nouvelles, on célèbre, on fête, on signe, il pourrait y avoir des signatures ici également. Et oui, le commencement. Commencement, alors l'amour, des sentiments positifs. Oui, ça vous tracasse un petit peu, mais il n'y a plus besoin de s'inquiéter. OK ? Je pense que là, vous allez pouvoir maintenant enfin profiter. Et puis, comme je vous le disais, de très bonnes nouvelles d'ordre financier, matériel, des projets qui vous tiennent à cœur. Il y a une forme de liberté, une liberté d'expression également. Je vous dis, vous êtes en train de faire un sacré travail, il y a beaucoup de choses qui vont changer là. De très bons retours par rapport à toute forme de travail, l'art, la créativité, un sport, une passion. Hein. J'ai quand même la réussite. Hein. Allez, signe d'eau du week-end. Alors, ami cancer, le balai volant, je peux surmonter mes erreurs. Ben oui, ne pas culpabiliser par rapport au passé, l'introspection. Hein, on sent que là, vous êtes en train de bouger, de changer. Presque une obligation de voir les choses autrement, de façon de faire, façon d'être. Hein. Donc là, pour vous, les cancers, effectivement, il y a eu des erreurs. On apprend de ses erreurs. Il ne faut pas se culpabiliser, il ne faut pas s'en vouloir. Okay, personne n'est parfait. Donc, on balaye tout ça et puis on va vers autre chose. Hein. Vous pouvez y arriver. Faites de la place pour la nouveauté. Les scorpions. Hurlez à la lune, les scorpions, n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire. On vous écoute, on vous entend, vous réussirez à vous faire entendre. Ok ? Vos mots, votre discours, tout ça aura un impact assez important sur les autres. Et les poissons, laissez les feuilles s'envoler, je peux me débarrasser de ce dont je n'ai plus besoin. Bah, ça rejoint un peu pareil pour les amis cancer. Hein. Donc voilà, on laisse les choses s'envoler. Peut-être que vous devez laisser des choses derrière vous, amis poissons. Eh bien, ne regardez plus en arrière, allez de l'avant. Hein. Vous pouvez le faire, n'hésitez pas, n'hésitez plus. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. Ensuite, signe d'eau du week-end.
Alors, signe d'eau. On a de la rivalité. Bon, les amis ici, on vous invite à ne pas. C'est pas le moment. C'est pas le bon moment. C'est trop tôt, peut-être. Donc, lâchez un peu du lest. N'insistez pas auprès de quelqu'un. Ok. En tout cas, là, pour les énergies à venir, les prochains jours, n'insistez pas. Quelqu'un peut être de mauvaise humeur. Quelqu'un a besoin de temps ici. Ok. Donc, j'ai l'impression qu'il va falloir laisser quelqu'un tranquille, à mi-signe d'eau. Ok. Et puis, faire autre chose. Hein, ne pas insister, faire autre chose. Et puis, vous verrez que même s'il y a une divergence d'opinion avec quelqu'un, en amitié, en couple, famille, ou même si une autre personne est impliquée là-dedans, cette autre personne, ça n'a pas d'importance, cette situation va se résoudre. Mais on me dit clairement, faut pas remettre de l'huile sur le feu, ici. Ouais. J'ai également une très forte attirance ici avec quelqu'un. Hein, on peut faire connaissance avec quelqu'un ou quelqu'un qu'on connaît depuis quelque temps. On commence à, de là à dire, à développer des sentiments. Peut-être pas, mais sa façon d'être, sa façon de parler. Il va y avoir une attirance réciproque ici avec quelqu'un, mais avec une impossibilité. Parce que peut-être quelqu'un, cette personne est déjà en couple. Hein, donc on vous invite vraiment à la prudence ici, en règle générale ce week-end. Soyez prudent, laissez les choses un peu retomber, ne forcez rien. Et quelque chose qui ne sera que d'ordre de l'amitié. Peut-être, les signes d'eau, y a-t-il quelqu'un autour de vous qui cherche à vous connaître davantage parce que vous lui plaisez, mais ça s'arrête là. Vous, c'est pas du tout réciproque. Hein. Et puis, les signes d'eau du week-end. Alors, les cancers, on va parler du karma, le retour de bâton, ami cancer. Quelqu'un, c'est pas forcément vous, hein, mais quelqu'un ici va récolter les conséquences de ses actes, bons ou mauvais. C'est la roue qui tourne. Les scorpions, on balaie, on fait du tri, on fait un bilan, ami scorpion, dans sa vie, dans ses affaires, on reprend les rênes. Hein. Et puis les poissons. Poissons, beaucoup d'échanges, beaucoup de messages, beaucoup de communication. Vous pourriez avoir une nouvelle assez agréable. Allez, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Et nous serons le 9 et le 10 novembre. Comme d'habitude, les signes de feu, on va visionner la partie de son ascendant et de son signe lunaire qui sont tout aussi importants. Et c'est parti. Allez, signe de feu pour ce week-end. Alors, votre petite énergie, enfin petite, votre énergie, la justice. Donc les signes de feu, tout rentre dans l'ordre. On répare, on réajuste, on répare un tort, on réajuste les choses. C'est un équilibre. On tranche, on prend des décisions, c'est la vérité. On fait preuve de discipline, de rigueur, on est dans le cadre de la loi, tout ce qui est légal. Et puis... la justice, bah, c'est aussi le karma. Hein, le karma, les conséquences, etc. Et oui, tout ce qui est signature, paperasse, hein, engagement, officialiser des choses. Ensuite, on est la justice, c'est quelque chose de juste, quelque chose d'équitable. Allez, signe de feu du week-end. Alors, le voyage et l'amitié. Alors, effectivement, les signes de feu, vous allez prendre les choses en main. Là, ces prochains jours, vous allez prendre des décisions assez importantes. Vous allez faire un déplacement.
peut-être pour résoudre une situation stérile. Hein? Ce qui est certain, c'est que vous avez l'opportunité de changer quelque chose. Cette carte-là, vous voyez, on a un préservatif qui est ouvert et qui n'a pas encore été utilisé. Donc, on ne parle pas d'intimité, on veut juste dire que là, il y a un potentiel. Le champ des possibles, tout est possible, il y a quelque chose à exploiter. Et vous allez faire le déplacement, vous allez voir des personnes, vous faites le premier pas, vous lancez quelque chose, les signes de feu. Ouais. Avec l'amitié, la bonne entente, la camaraderie. Ouais, j'ai quelque chose qui va bien se passer. Si par exemple vous devez travailler avec certaines personnes, eh bien, bah, vous n'hésitez pas à aller vers elles et vous vous rendez compte que finalement, bah, vous êtes sur la même longueur d'onde. On se donne la peine. Hein, ici, on se donne la peine. Donc, il va y avoir du mouvement, des déplacements. On a avec le voyage l'inconnu, la nouveauté, peut-être faire de nouvelles connaissances, des nouveaux collègues. Mais voilà, les signes de feu, c'est vous. Vous prenez les choses en main. Vous allez vers les autres. C'est vous vraiment qui êtes à l'initiative de beaucoup de choses. La peine et la famille. Peut-être pour résoudre aussi une difficulté familiale, l'amitié. Hein, on va aller essayer de discuter, de tirer les vers du nez. Une situation avec la, je vous disais, la stérilité, une situation qui est complètement stagnante. Vous serez à l'origine d'un changement important. Un voyage, déménagement, mutation, déplacement pro, peu importe. Okay? J'ai la chance avec vous. Et oui, regardez le blocage. Donc la foule, le contrat. Il y a des choses qui vont s'officialiser, se signer, hein, je vous le disais. Vous allez remettre les choses en ordre. Ouais. Vous serez l'initiative de beaucoup de choses. Presque grâce à vous. Hein. Peut-être grâce à votre intervention. Allez, signe de feu pour ce week-end. Alors, les béliers, on a ici des nouvelles. Donc, n'hésitez pas déjà à exprimer vos voeux à l'univers. Un souhait, projetez-vous déjà dans ce que vous souhaitez avoir. Et puis, cette carte-là, elle parle de nouvelles, de bonnes nouvelles. Hein. On vous aime, on vous apprécie, ami bélier. On vous le témoigne, on vous le montre, on vous l'écrit. Il va y avoir ouais, des échanges. On écrit, on reçoit, on retourne. Des choses très positives. Et puis les lions avec la capsule temporelle, et eh bien cette carte-là, elle fait un peu écho à l'autre. C'est le moment d'entamer des choses. Là, vous marquez les premières pierres. Hein. Ce sont les premières pierres de ce que vous allez construire. On laisse une trace. La capsule temporelle, c'est laisser une trace. Ou alors ce week-end, vous pourriez très bien, les lions, avoir un petit flashback, une petite nostalgie, et puis commencer déjà à préparer l'avenir. Et les sagittaires, magie pour animaux de compagnie, les animaux sont mes amis, je suis gentille, affectueuse avec eux. Bon, bah, il y a peut-être un rapport particulier avec les animaux. Ouais, donc à vous de voir comme ça vous parle, hein, mais la nature, les animaux, l'amitié aussi, hein, pour avoir une place importante. La bienveillance. Ensuite, signe de feu pour ce week-end. Allez, signe de feu du week-end. Feu du week-end. Bon, petite prise de tête avec quelqu'un. On a encore l'équilibre, hein, dites donc. Petite prise de tête et des mises au point. Des mises au point. Alors, j'ai le retour d'ex.
je le répète à chaque fois, c'est pas forcément un ex directement. Pour moi, c'est le quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, peut-être un sujet de discussion qu'on va remettre sur le tapis ici. J'ai l'impression que c'est comme si les choses étaient déjà réglées. On en a déjà parlé, on a déjà réglé la situation. Pourquoi en reparler? Donc, on va une bonne fois pour toutes mettre les points sur les i ici. Ouais, j'ai quelqu'un ici qui cherche la petite bête où il n'y en a pas. Il n'y a pas besoin de chercher des complications par rapport à un passé, un ex-partenaire, un ancien ami. Enfin, vous voyez, là, j'ai encore une difficulté hein, avec la séparation, difficulté, une épreuve. Il y a encore des choses à régler, hein, j'ai l'impression. Donc là, avec l'égarement, je sens que quelqu'un est complètement à côté de la plaque. Et on a beau prouver par A plus B, vraiment faire preuve de bonne foi. J'ai quand même l'impression que hein, la trahison, la déception. Ouais. Donc voilà. Et puis, on termine les signes de feu. Alors les béliers non, hein. Effectivement, trop compliqué, trop de contraintes, trop de sacrifices, on n'est pas content. Donc je pense que là on impose quelque chose. Non, j'en ai pas envie. Non, ce n'est pas possible. Non, ça ne me convient pas. Les lions, on va parler de déplacement à million. Hein, un déplacement, une petite sortie, un mouvement, les choses bougent. Un week-end, vous prévoyez de bouger en tout cas. Et les sagittaires? Les Sagittaires, on va parler de secrets, de dissimulation, un manque de confiance aussi. Hein, il y a peut-être des non-dits. On l'a vu, il y a des choses à régler. Hein. Allez, je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. À bientôt, à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du week-end. Et nous serons le 9 et 10 novembre. Et comme d'habitude, on va voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Allez, on y va. Signe d'air pour votre week-end. Eh bien, écoutez, vous avez l'empereur. L'empereur qui va nous parler de structurer votre environnement, poser un cadre. Hein. C'est l'autorité, c'est la solidité, c'est la sécurité, l'empereur. C'est le père. C'est la figure paternelle, la figure d'autorité. Donc, je vous sens vraiment ce week-end, les amis, endosser cette figure d'autorité, hein, tout simplement. C'est le pouvoir que vous aurez sur une situation, sur les autres. Vous ferez preuve de rigueur, de discipline et vous remettrez de l'ordre. Allez! On continue. Signe d'air du week-end. Alors, les signes d'air pour ce week-end. Alors, on va regarder, on a encore la loi, les nouvelles. Bon, j'ai l'impression ici qu'il y a plusieurs situations à gérer, plusieurs personnes qui vont intervenir. Ouais, qui vont intervenir. Alors, j'ai la maison. La maison, le foyer, la sécurité, le cadre. Hein, donc, ça peut être des contrats à gérer, faire du tri dans la paperasse, une nouvelle organisation à mettre en place. Et avec plusieurs personnes impliquées. On a les nouvelles. Donc moi, j'ai quand même l'impression ici qu'on reçoit. On reçoit un ordre, on reçoit donc la nouvelle, le courrier, comme si on a indiqué à quelqu'un quoi faire. Et on va devoir peut-être prendre en compte l'expertise de plusieurs personnes, ou alors
se référer à plusieurs contrats, plusieurs obligations, pour pouvoir être dans les clous, hein, tout simplement. Il y a ici, de toute façon, plusieurs personnes qui sont impliquées dans une situation, dans une relation. Je ne parle pas forcément de situation amoureuse. Hein. Je parle d'une situation qui est en lien avec la maison, la loi, les règles. Donc il va peut-être falloir prendre en compte toutes ces personnes-là, ici. Il y a... il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, les Cinder ce week-end. Donc l'expérience de chacun avec les finances, l'enrichissement, hein, l'expérience de chacun. Il y a peut-être des choses de l'ordre des finances, un budget, un contrat. Donc voilà, je pense que vous aurez plein de choses à gérer. Et j'ai l'enfant, donc pour les Cinder, dis donc, il y a l'enfant. Donc ça peut être ça en rapport avec un enfant. Il va falloir agir rapidement. Ouais, vous voyez, pour moi là, pardon, il y a la révélation. Hein. On apporte des nouvelles, que ce soit un coup de téléphone, les réseaux, une lettre. Donc vous allez recevoir des informations qui vont vous dire quoi faire et comment mixer un petit peu toutes ces personnes, ces situations. Peut-être une médiation aussi, hein, une médiation. Donc voilà, maison, enfant, contrat, la place qu'on a, l'investissement. Vous voyez, hein, il y a des décisions à prendre là. Va y avoir un changement, j'ai l'impression, un changement de cadre, un changement de quelque chose. Ensuite, signe d'air du week-end. Signe d'air du week-end. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, beaucoup ont eu cette carte-là. Pas mal de nouvelles, amis Gémeaux. Beaucoup de communication, des nouvelles. Vous en donnez, vous recevez. D'ordre amical, d'ordre amoureux, enfin des personnes qui vous veulent du bien, des personnes qui vous témoigneront leur affection. Hein. N'hésitez pas non plus, les Gémeaux, à faire vos vœux à l'univers. Il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez avoir, obtenir. Visualisez-vous déjà dans cette situation. Les balances, l'oreiller du sommeil. Bon, on dort, on fait des rêves. Hein. Le sommeil va être important pour vous. Balance, faire une petite sieste, prendre le temps, faire des petites pauses. Vous régénérez, rechargez vos batteries. Et puis les Verseaux avec les graines du pouvoir, de petites choses peuvent devenir grandes. Donc voyez grand, ami Verseau. Étape par étape, on commence par le début, petit à petit, hein, la graine, on l'arrose et puis elle grandit, elle pousse, elle devient cette magnifique fleur. Donc pour moi, vous semez ou vous avez semé quelque chose qui va réussir. Des petites graines. Ensuite, en tout cas quelque chose de grandiose. Allez, signe d'air du week-end. D'air du week-end. Ou bien un rendez-vous de prévu, là, les signes d'air. Quelqu'un avec qui vous discutez. Quelqu'un avec qui vous discutez pas mal. Et puis, j'ai. Alors, ça peut être quelqu'un au début, on s'appréciait pas trop, ou il y avait pas mal de divergences et d'oppositions. Et là, j'ai l'impression que, en apprenant à se connaître, finalement, on se trouve des points communs. Donc, vous allez peut-être. Parler de vous voir, une sortie ensemble. Donc, j'ai l'impression qu'il y a l'envie, tous les deux, d'apprendre à vous connaître, de gratter un petit peu plus. Hein, l'union. Hein. Ensuite, il y a toujours cette idée de communiquer les signes d'air. Par contre, il est possible, vous voyez là, j'ai la rivale, l'union.
quelqu'un qui pourrait déjà être en couple, ou c'est vous, vous êtes déjà en couple. Hein? Alors, moi, j'ai quelqu'un qui est attiré par une autre personne qui est déjà engagée, avec qui on communique pas mal. Y a de ça, hein? Il y a de ça. Il y a de ça. Je vais couvrir quand même ici la rivale. Ouais, une dispute triste. Bah dis donc, célibataire. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui boude? On boude à quelqu'un. Ouais, on boude à quelqu'un, ça veut rien dire. C'est pas français, ça. On fait du boudin. Ouais, il y a une petite contrariété. Ici, une petite contrariété. Bon, on en parle, on en discute, on ne se déplace pas forcément, hein, mais l'idée de faire le premier pas, aller vers l'autre, prendre des nouvelles, demander. Ok. Bon, il y a quand même pas mal de communication ici. Hein. Ah oui, cœur ouvert, jalousie. La réconciliation. Ouais, il y a peut-être une autre personne ici qui pourrait être, qui pourrait faire de l'ombre. Qui fait qu'on ne communique pas librement. Mais tout ça va se résoudre. Hein, ça se résout. On échange, il y a une réponse, il y a quelque chose qui fait que. Même pour les couples, hein, s'il y a une divergence d'opinion, on n'est pas d'accord sur un sujet, sur un gamin ou je ne sais quoi. Pareil, c'est vite fait, hein, une petite prise de tête vite fait. Hein. Même le comportement de l'autre. Hein, qui agit en égoïste, par exemple. Bon, il n'y a rien de grave. Hein. C'est juste une petite réflexion que vous allez vous faire. Allez, les signes d'air. Alors, les Gémeaux pour ce week-end. Les Gémeaux, et oui, hein, on a ici blocage. Une tierce personne ici qui bloque. Il y a de la rivalité, ça bloque. Donc, je sens que vous n'arriverez pas forcément à obtenir ce que vous souhaitez, les Gémeaux, tout de suite. Hein, même si c'est une nouvelle rencontre. Peut-être que cette personne a quelqu'un dans sa tête. Les balances. Balance, j'ai l'amitié. Ou dites donc. Un petit ras-le-bol amical, les amis. On se sent étouffé, on se sent oppressé. Quelqu'un qui se. Monsieur, madame, je sais tout, qui donne des conseils, qui impose des choses. Ça va vite vous agacer, ça. Hein. Et les Verseaux. Verseau, on tente, on essaye, on teste, on fait un choix, faut s'abandonner au destin, ami Verseau. Je vous souhaite un bon week-end, les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain.